Ah, Mimi de Mandaril. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Little Nightmare. Moi, je viens de terminer le chapitre 1, comme je vous avais dit la semaine passée. J'enchaîne les deux chapitres. Mais du coup, vous savez ce qu'on fait. On va juste continuer ce qu'on avait commencé la semaine passée. J'espère que ce sera un peu plus flippant cette fois-ci. Mais je pense que de toute façon, ça va aller crescendo avec les chapitres. Donc ça risque d'être un petit peu plus intense. Du coup, c'est parti. C'est quoi? C'est quoi cette pièce? Pourquoi il y a une si petite toilette et un si grand évier? Il arrive. Non, je crois pas. Mais du coup, ouais, il y a sa photo là au-dessus, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Du coup, il a des très grands bras. Et des toutes petites jambes. C'est ce que j'ai vu. Oups. Une clé! J'ai même pas capté que c'était une porte. Je sais pas comment je suis censée. Non. Bah voilà. Je suis si nulle. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Bien joué. Succès. Déverrouiller une porte. Oh non, je me rappelle de ce truc. Je crois qu'il fait flâ le bruit. C'est un ascenseur. On peut se cacher? On va y voir un truc. Ah. J'allais rechercher le singe. Je vais me cacher. Oh non. Petit chou. Mange un petit rat. Je pense qu'elle aura pas trop le choix. Hein. Ça va voir. Debout. Elle est quand même trop forte, hein. Mais je peux pas libérer les autres.
Oh non, je dois utiliser sa cage. C'est affreux. Mais c'est horrible. Trop stylé. Ça grince tellement. Ah, je vais pas devoir faire de bruit d'un marché. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un enfant? J'aurais pas dû me mettre là. Il va regarder là. Oh, non. Waouh. Oh, j'ai réussi du premier coup. Oh, j'ai réussi du premier coup. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ses enfants là? En plus, mes manettes, elles vibrent en même temps que le cœur bat. C'est horrible. Je dois aller où du coup? Mais crie pas comme ça. Là, il m'entend pas. Ça se trouve, il vient pas du tout comme j'ai été vite. Ah non, il a pas passé la porte. Désolée si le cadrage a un peu changé. J'avais plus de place sur ma carte, du coup j'ai dû vider ma carte. Et du coup, c'est pour ça que mon téléphone a sûrement un peu bougé. Bref, ça m'a permis de souffler un peu, faire une pause. On est reparti. Ça fait tellement de bruit. C'est des vêtements, j'ai cru que c'était quelqu'un. A sûrement très bien entendu. Je vais quand même me dépêcher au cas où il nous suit. Ok. Bon, du coup, je dois sauter de loin, à mon avis. Je sais pas si je dois continuer en fait ou attendre qu'il tape en dessous de la valise. Okay.
Oh, c'est super loin. J'essaie de sauter le plus loin possible. Ok. C'est bon. Ah non. Cours ta mère, cours ta mère. Non. Ah c'est ça. Il vient me trouver. C'est sûr, il vient me trouver. Oh, il est horrible. Oh. Petite bestiole, elles m'ont sauvée. Et je savais qu'il allait falloir se cacher là quelque part, à un moment. Ça sert à quoi cette caisse? Ah mais il y a une trappe là en dessous. Oh, je dois remonter. Oh non. Waouh, il est trop bizarre. Oh non. Je vais vraiment devoir. Je vais vraiment devoir remonter. Il est où là? Ah, mais j'ai compris. Oh, bah, c'est trop tard maintenant, mais. J'aurais dû profiter du bruit pour passer. Mais bon. Là maintenant il est de l'autre côté, en vrai je pense que je peux y aller. Il va me trouver. Qu'est-ce qu'il fait? Je crois que le truc a bug. Est-ce que... Je pense qu'il faut faire ça, hein. Non. Merde. Oups.
C'est bon? J'ai réussi. OMG. The fuck? Vite. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. J'ai sûrement plein de trucs, mais... C'est stylé comme pièce. Mais comment je... Oh, c'est trop dur. Attends, mais là, je saurais jamais passer. Je dois redescendre. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai pas envie de devoir le refaire. Non, grouille. Ok, c'est bon. Il va venir. Ouais. Comment on fait? Non,
je bouge pas. Merde. Je savais pas que je pouvais passer là. Genre là, il m'entend pas. Il a pas envie d'éteindre la télé. Ah. Bah non. Il grouille. Tu dois retracer. Oh pitié. Ok. Ah mais ouais, je dois sûrement mettre ça. Ouais, je dois sûrement sauter dessus. Non, reviens. Ok. What the fuck? De quoi? Mais. C'était pendu à la porte. Elle s'est lâchée dans le vide. Enfin, c'est ma faute, mais... Ouah, comment elle est juste tombée. Bon. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, il va pas réapparaître... Comme tantôt. Hein. Tu dois essayer de passer. Je croyais que c'était un gros rat. Non mais à mon avis je vais essayer de passer quand il passe sa main sur le tuyau. Là, voilà. Oh, super. Comment il m'entend sur un tas de vêtements alors que sur un bout de tissu par terre ça passe? Tout le début, je l'ai fait nickel, je suis pas fait attraper. Là, je les enchaîne. Non, j'ai pas vu. Je regardais son autre main. Ah, je dois tirer la cage qui est là en dessous. Non, non. Je pense que c'est logique, mais... Ok. Je vais le refaire encore.
Oh. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. Mais pourquoi elle arrive pas? Je comprends pas, je tire pendant 5 minutes. Là, au final, ça me fait même plus peur, c'est juste... ça me fait rager de pas y arriver. Je vais rage quit sur Little Nightmare. Ok. Non, j'ai vraiment sauté sur son bras, quoi. Ça lui a coupé les bras, c'est dégueulasse. C'est tout. Oh, ça bouge. Ça me dégoûte. Bon, j'y suis arrivée. Ah, oh, c'était les crochets où ils pendaient les petits enfants. Je vais essayer de les attraper. Non. Oh. Faut pas que je lâche. Oh non, bébou. Non, les petits enfants, ils vont recommencer à chanter. Regardez à manger. Bah voilà. Les petits enfants qui chantent, non. Yes. Bah mange-le en entier au moins, non? Oh. Elle a tapé un croc et c'est bon. Je suis en train de marcher sur des cadavres d'enfants. J'ai pas capté. Je pensais que c'était du linge. Ça fait tellement de bruit. Ah mais je me demande si on n'est pas dans un deuxième chapitre là. Pardon, mais... Il était horrible, j'étais matrixée par son visage, là. Mais du coup, je vais vérifier. Mais il me semble que ça, c'est un autre chapitre. Et en fait, il n'y a pas vraiment de transition entre les chapitres, donc je vais vérifier ça. Et je reviens. Du coup, c'est tout pour ce... deuxième chapitre. C'était effectivement un peu plus intense que le premier. Si j'ai galéré à la fin, genre vraiment choquée. Du coup, c'est la fin pour cette vidéo aussi. Mais c'était trop cool. Je suis trop contente. Je pense que d'ailleurs, je m'étais arrêtée dans le jeu au niveau du chapitre 3.
Donc à partir de la semaine prochaine, ce sera une partie du jeu que j'ai même jamais faite. Donc c'est trop cool. Je serai sûrement un peu plus surprise que pour les deux premiers. Mais en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Pareil que la semaine passée, n'hésitez pas à me dire si cette petite série vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 3 qui s'annonce... pas mal. Donc n'hésitez pas à mettre la petite cloche pour les notifications. Je vous dis à la semaine prochaine du coup pour la suite. Et en attendant, bye !